И начинается глава 12. Все, что осталось. Безумно красивая зима. Очень классно, очень нравится. On y est. Amicia, ça va aller, t'es sûre? Oui. C'est seulement... Enfin, c'est bizarre de revenir. Allons-y. Je ne pensais pas revenir ici. Pas aussitôt, en tout cas. On trouve les potions et on s'en va. On rentrera peut-être même à Play. Ça me va. On ne peut pas traverser ici. Ce pont avait au moins un siècle. Tout a l'air complètement ravagé. C'est la fin du vieux monde. Comment tu peux rester aussi calme? Regarde, l'étendard de l'Inquisition. Ils sont encore là? Soyons prudents. По запасам у нас, конечно, всего дофига. Ils ont dû passer par là. Tombe pas, ne tombe pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Attention, Lucas. Mais qu'est-ce qui leur prend? Je sais pas, mais ça me donne la chair de poule. Ne restons pas là. Ils ne font même pas attention à nous. C'est peut-être une parade nuptiale. Certains animaux ont des rituels très étranges. Il y a une différence entre étrange et terrifiant, Lucas. Mais pourquoi pas? Ce sont des animaux. Je commence à avoir des doutes là-dessus. Lucas, on s'en occupera plus tard. Viens. Il y a forcément une raison. Oh, je ne veux qu'on passe, on dirait. Quand on a fui la maison avec Hugo, quelque chose s'en est pris aux gardes. Je crois que c'est grâce à eux qu'on s'en est sorti ce jour-là. Je vois. Ça doit être un des premiers lieux d'émergence. Et leur comportement est pour le moins étrange. Ils ne sont pas les bienvenus ici. Je vais leur montrer. Chez moi ici. Vous entendez? Chez moi. Encore des rats. Le domaine est droit devant. Il y a une chaîne de l'autre côté. Attends, la lanterne! Ils devaient l'utiliser pour faire passer leurs troupes. Bonne idée. J'aurai un angle de tir. Tu peux retourner en bas. Dis-moi quand t'es prête.
lâche pas, hein. Je m'en sortirai pas ici sans toi. Ça marche bien, leur système. J'y suis. N'oublie pas. La chaîne, Amicia. Fais-moi passer. Merci. Меня больше волнует вот в дом бы пробраться. Ну или хотя бы сюда. О, да, инструменты, ткань, веревка. Это определенно того стоило. Да-да-да, очень много ресурсов. Теперь вопрос, есть ли в доме столько же ресурсов, чтобы кидать туда еще одну эту штуку. Знаете, у меня есть другой план. Вот так вот. О, еще один сундучок. Le calame de mer. Elle écrivait ses lettres ici avant de les envoyer par pigeon. Je peux pas le laisser là. Elle y tenait beaucoup. Je crois qu'elle serait touchée que tu le gardes. Ну, я бы сказал, что мы сюда не зря зашли, все-таки. Кусочек высушенного тростника с обрезанным под углом кончиком, который для письма обмакивают в чернила. Для сохранения и передачи знаний и умения писать и читать совершенно необходимо, но в те времена грамотность оставалась в основном прерогативой духовенства и самых образованных горожан. Почти все средневековые книги описывали мир с позиции христианства, и религиозные образы проникали в сочинения о любых сферах жизни. Двинули дальше. Лука, on n'est pas seul. Un garde. Il est encore en vie. Quelqu'un. À l'aide. Léa. Toi, dis-moi, combien vous êtes ici? J'ai mal. Je veux pas crever comme ça. Comme ça? Vous avez exécuté ma famille. Tu mérites cette mort. Eh, pitié de moi. Pitié? Je t'interdis d'utiliser ce mot. Bon, je peux rien tirer de lui. Ну, я бы сказал, что как только мы продвинемся дальше, крысы его сожрут.
êtes-vous ? Je suis la fille de Robert et Béatrice de Rune. Oh non. Oh, pitié. Pitié, je t'en prie. Silence. Je te laisse à ton sort. А что такое, в повозку не зайти? Ну, это печаль. Там можно было сделать на самом деле проще, просто гасим огонь возле стражника, и крысы его жрут, но зачем, не хочу. И еще верстачок. Возможно, самое время сделать вот это вот улучшение, чтобы в случае чего не искать верстак потом. Ну, не знаю, быстрее делать, вроде пока не нуждаемся. Simplifier la vie. Ну, вот так вот, да. Я согласен целиком и полностью. Эй, ай-яй-яй-яй. Очень быстро крысы вернулись, не успел. О, мой Dieu, est-ce que c'est réel? Ma maison. Ну и заодно ачивку получили. Сострадание. Non, par pitié. Amicia, on peut s'arrêter. Tout couvert notre chemin. Non, je dois voir. Да, какие уж тут другие пути, но это просто лютая жесть, которая здесь творится. А ведь это было нашим домом. Est-ce que c'est ton père? Jennifer! D'accord, d'accord! Il y en a d'autres!
Ты бы, мальчик, может быть, не стоял, а двигался? А то нас что-то сожрали. Sauver la vie. On fêtera ça plus tard. Il faut qu'on atteigne la chambre. C'est la fenêtre juste au-dessus. Tu devrais prendre la torche. Спасибо. D'accord. Je vais nous guider. Merci. Конечно, я пойду первая, потому что от меня пользы больше, чем от тебя. Это было близко. А зачем мы сюда факел воткнули? Если этот сундук как-то можно открыть, то я не знаю как. Celui sans armure, c'est un de nos servants. Mais attends. Oui, les gardes ont été dévorés, mais pas lui. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Si je le savais, la brisure, les remous continuent de se propager dans le temps. Просто лютая жесть здесь творится. Впрочем, мы не можем ничего крафтить, пока факел в руках. Elle aussi? Oui. Il les évite. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'était à ton père? Oui. Du temps de ses guerres aux côtés du roi Philippe. C'est un grand chevalier. Alors il ne sera pas oublié. Этот рыцарский доспех отлично подходил для верховой езды, обеспечивая при этом практически полную защиту. В отличие от полноценного латного или церемониального доспеха, такой комплект весил не более 20 кг и не очень сковывал движение воина. Это позволяло рыцарям долго сражаться в седле. Без факела дальше как-то стрёмно. И это мягко сказано. О, attention. On dirait qu'ils convergent tous ici. Ils vont vers sa chambre.
potions pour Hugo doivent être là. Lucas, tu as vu ces pots? De simples infusions. Insuffisant. Il doit y en avoir d'autres. Alors, on y est? Oui, c'est la chambre d'Hugo. Allons-y. Ого. Спокойно, беззащитно, со светом. Tout est exactement comme avant. C'est pas ça, ça non plus. Oh, non, Lucas, rien à voir. Pourquoi la chambre est restée intacte? Non, 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 c'est pas ce qu'on cherche. Toujours rien? Non, tout ça, ce sont des potions ordinaires. Ta mère devait travailler sur un élixir bien plus complexe. Il y a forcément autre chose, un autre endroit, une autre non, pièce. Ça un me dit rien. Magnum, ça ne se fait pas comme ça. Elle a forcément un laboratoire quelque part. Je sais pas, je vois pas où. Laurentius. Il avait installé son laboratoire à l'abri des regards. Ta mère, elle aussi, a dû... Elle me disait rien. Je la voyais jamais. Mais justement, il n'y a pas un endroit où elle ne voulait pas que tu ailles. Je sais pas, un endroit qu'elle eh protégeait. Il y avait les ruines romaines. Elle disait que c'était dangereux. Les ruines romaines? Oui, c'est bien une idée d'alchimiste, ça. Tu sais précisément où c'est? Dans le jardin. Allons-y. Ils s'en vont? Non, ils se rassemblent. Tu veux dire... Ça, on peut pas rester là. Мальчик, ты зачем туда побежал, извините. Это такая тупая смерть. Ils s'en vont? Non, ils se rassemblent. Tu veux dire... J'ouvre un chemin à droite. Oui, oui, j'arrive. Извините, я просто не мог удержаться, чтобы не заражать с этого. C'était juste. Avance, ils peuvent revenir. Amicia, j'ai peur. Je suis là, avec toi. Allez, il faut continuer. Кстати, та самая кухня, где я в первый раз восторгался красотой огня в этой игре. Là-bas, à l'autre bout. On doit traverser ça. Mais... Je sais. On va y arriver. Une fleur. Intacte.
quelqu'un de Feuille, je crois. Hugo ne voudrait pas qu'on la laisse là. Этот цветок называется так по числу лепестков. Их как минимум, их как и пальцев на руке, ровно 5. С древних времен лекари использовали пасту из пятилистника, готовили из него отвары для лечения пищеварительного тракта, борьбы с лихорадкой, им останавливали кровотечение. Кроме того, пятилистник – важный геральдический символ, украшающий гербы множества знатных семейств северо-западной Франции. C'est bon. C'est pas vrai. Regarde ça. On dirait une rivière. Une rivière de rats. C'est le seul chemin vers les termes. Attends, le chariot. On allume le feu et on le pousse et... Non, je l'allume et toi tu le pousses. Hein? Quoi? Moi tout seul? Tu as vu ce qui s'est passé tout à l'heure? Tu crois qu'ils vont nous laisser passer comme ça? D'accord, d'accord. Mais prépare des munitions. Parce qu'il est hors de question qu'on ait fait tout ça pour rien. Зачем ты умираешь? Скажи мне, пожалуйста. C'est bon. C'est pas vrai. Regarde ça. On dirait une rivière. Une rivière de rats. C'est le seul chemin vers les termes. Attends, le chariot. Un mission. Un mission. Без комментариев. C'est bon. C'est pas vrai. Regarde ça. On dirait une rivière de rats. C'est le seul chemin vers les termes. Attends, le chariot. On allume le feu et on le pousse et... Non, je l'allume et toi tu le pousses. Hein? Quoi? Moi tout seul? Tu as vu ce qui s'est passé tout à l'heure? Tu crois qu'ils vont nous laisser passer comme ça? D'accord, d'accord. Mais prépare des munitions, parce qu'il est hors de question qu'on ait fait tout ça pour rien. Non, Посмотрите, сколько здесь ресурсов, я уже заговариваться начал. Сюда очень нужно было попасть. Но мы копим, мы не тратим инструменты, поэтому да. Compris. Je m'en occupe. Ah! Encore un.
mourir, Lucas. Personne ne meurt avant qu'on ait atteint cette aile. Comme si on pouvait décider. Depuis qu'on se connaît, nos vies sont guidées par le chaos. Peut-être, mais c'est moi qui tiens la foudre. Alors calme-toi et pousse. Je ferai que ça. Merci. Merci, Lucas. Tu vois, c'est sacrément costaud. Oui, mais je crois pas que je remarcherai un jour. Allez, je sais pas ce que ma mère cachait là-dessous, mais tu veux pas rater ça, hein? Ouais, ça... Non. Allons-y. Это было опасно, это было эпично, но мы дошли. Выше носа, Лука. И не умирай, пожалуйста. Такими тупыми смертями. Лукас, c'est là. C'est là que j'ai vu mourir ma mère. Mais Arthur a dit qu'elle était en vie, non? Oui. C'est le corps de ce pauvre Lambert. Il a dû prendre le coup à sa place. Elle est encore en vie. Mais il l'a... Je sais. Mais pense à ton frère. Il faut qu'on avance. Покойся с миром, верный слуга. Ces marches, ça me rappelle mon enfance. Tant mieux. Parce que on va avoir besoin de tes souvenirs. Ma mère refusait que je vienne ici. Elle disait que c'était dangereux. Dangereux pour elle, sans doute. Tu n'as rien trouvé? Non. Pourtant, j'étais une sacrée fouineuse. Mais on est deux cette fois. Et toi, tu n'es plus une enfant. On va trouver. Lucas, regarde, ça ressemble à la morsure. Une fresque romaine. Ça pourrait être la peste de Justinien. Laurentius m'en a parlé. Un véritable massacre. Pire qu'aujourd'hui? Difficile à dire. C'était au VIe siècle. Lucas, ces termes ont été bâtis par un gouverneur romain au VIe siècle. Cette fresque n'est pas là par hasard. Et nous non plus. Это моя ошибка. Ma mère refusait que je vienne ici. Elle disait que c'était dangereux. Dangereux pour elle, sans doute. Tu n'as rien trouvé? Non. Pourtant, j'étais une sacrée fouineuse. Mais on est deux cette fois. Et toi, tu n'es plus une enfant. On va trouver. Thank you.
Viens m'aider. Bien. Ma mère refusait que je vienne ici. Elle disait que c'était dangereux. Dangereux pour elle, sans doute. Tu n'as rien trouvé ? Non. Pourtant, j'étais une sacrée fouineuse. Mais on est deux cette fois. Toi, tu n'es plus une enfant. On va trouver. Amicia, si tu les coinçais de l'autre côté de la lumière, on serait libre d'agir. Aide-moi à pousser. Просто фигню какую-то сделал. Непотребство полное. Я вот здесь не очень понимаю, как, ну как не понимаю. Просто жалко. Ça, c'est le sudatorium. C'est ici que les Romains venaient transpirer. Grâce à de la vapeur, oui, c'était... Oh, regarde, ces sculptures! Quoi? Des animaux alchimiques! Putréfaction, purification, amalgamation et sublimation! C'est ce symbole dans le bassin, c'est aussi la putréfaction! Ce symbole me fascinait. Il y en a aussi dans les deux autres bassins. Trois symboles, quatre sculptures, il y a du feu là-dessous. Alors, on doit pouvoir éclairer les autres. Il doit y avoir un moyen d'y accéder. Le crapaud, toujours aussi moche. Le cygne, imposant et gracieux. Lucas, une autre fresque. Une femme enceinte. Mais c'est pas tout. Regarde, à côté d'elle. C'est une sorte d'alambic, non ? Une alchimiste ? Exact. Le travail de la matière alchimique est souvent comparé à la fécondation. Le creuset ou le four à l'utérus. Ou alors c'est peut-être seulement une alchimiste enceinte. Pas seulement. Ce temple est celui de ta mère. Et le fait que ce soit une femme n'est pas un hasard. C'est un lieu important. Tu dois avoir raison. Le lion. Oh, lion, mon chien. J'espère que tu es heureux là où tu es. Là. Près du symbole éclairé. Les dalles se sont affaissées. Je pense que tu peux passer. Je vais descendre. Reste ici. Entendu.
добровольно лезем в норы. О, il manquait plus que ça. Qu'est-ce qui se passe? Ça grouille. Il y en a partout autour de moi et j'y vois rien. Allez, c'est parti. Je vais essayer de te guider. Et comment tu comptes faire ça? La lumière. J'attends près des bassins. Courage. J'arrive à sortir d'ici. Tu y es prêt? Merci, Lucas. Continue de me parler. Je sais pas. J'aurais jamais cru que je survivrais jusqu'ici. Je me retrouverai là. Laurentius m'a appris le monde à travers les livres. Mais la réalité, c'est autre chose, hein? C'est ça le pire. Rien de tout ça n'a l'air réel. Tu as révélé la putréfaction, la purification et la sublimation. Crapauds, cygnes, serpents sont exposés à la lumière. Donc notre ami le lion doit cacher quelque chose. Dans sa gueule, peut-être? Aidez-nous, mère. Vas-y, tu vas percer son secret, Amicia. Tu l'as mérité. On n'y voit rien ici. Ça a l'air immense. Garde tes munitions. Je m'en occupe. Voilà. Спасибо тебе. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des produits de complément, des stabilisateurs, des réactifs, des matériaux nobles, largement supérieurs à ce qu'on a vu dans la chambre. On est sur la bonne piste. Bien. Bien. Amicia, ce sont des notes de ta mère. Tenter une nouvelle transformation, mais l'élixir est incomplet. Le flambeau du porteur se dérobe, laissant mon fils dans les ténèbres de la Macula. Elle était sur la voie, Amicia. Ce que l'on cherchait forcément ici. Mais où? À quoi ça ressemble? Là, il y a quelque chose, on dirait. Une autre fresque. Un enfant, dans les bras de sa mère. Mais... ces marques sur son torse, Lucas. La Prima Macula. Mais cette fresque a au moins 8 siècles. Pourtant, ça a déjà eu lieu. Oui, mais combien de fois? Qui sait? Sanguinis itinera, des voyages du sang. La Macula voyage à travers l'histoire. Elle a déjà changé le monde et elle le changera de nouveau. Cette boîte porte un phénix, le symbole du grand œuvre alchimique. Amicia, je crois qu'on a trouvé. À toi de l'ouvrir. D'accord. Lucas, regarde. Cristallisation avancée, couronne vert bleu, substance claire. Quoi? Lucas! Parfum d'ambre incroyable. Mais dis-moi à la fin, qu'est-ce que c'est? L'élixir pour Hugo. Elle y était presque. Mais elle n'a pas eu le temps de le finir. Le même élixir que tu... Oui, sans le livre. C'est vraiment incroyable qu'elle ait pu aller aussi loin. Mais alors, on peut peut-être s'en servir. Avec
avec le livre et mes préparations, je crois... Je crois que je peux même le terminer. En tout cas, tu as l'air bien parti, Maître Lucas. Pourquoi elle m'a rien dit? J'aurais compris. J'aurais pu... Aïe! Amicia, j'aurais fait pareil à sa place. C'était une alchimiste, et puis une maman, ça protège ses enfants. Tu crois pas? Oh non, pas maintenant. Comment on va sortir d'ici? T'occupe pas de ça. Termine l'élixir. Je vais les retenir. C'est pas vrai. Pourquoi maintenant? Lucas, il faut accélérer. Je lis. Ta mère s'est arrêtée au pas de la porte du soleil. Elle avait trouvé le flambeau, mais pas le moyen de l'allumer. Ça n'a aucun sens. Ce sont des symboles. Elle cherchait un élément manquant, mais le livre dit... Tu vis... Bonne chose de faite. La remplissent. Mais elle se trompait. Il ne faut pas ajouter, mais retrancher. Trouve-moi du macérat, pendant que je prépare le mélange. Il doit y en avoir ici. Du macérat? Qu'est-ce que c'est? Où je le trouve? La pharmacopée. L'alcôve avec le rideau. Je m'en occupe. Allez, tu calmes. Laurentius disait, tempère les battements de ton cœur, car c'est lui qui œuvre à travers ça. Demain. Alors, tempère-toi. Lucas, le mécanisme, c'est le même que celui du château d'Ombrage. Je te l'ai dit, ce n'est pas un hasard. C'est là. Alors, tu as le macérat? Je peux pas y aller. Il y a trop de draps. Il y a trop de peau, Lucas. J'y connais rien, moi. Cherche celui qui pue très fort. Mais ils puent tous. Je suis même pas sûre que mon nez fasse la différence. C'est quoi ça? Aucune idée, ça sent rien du tout. Oh! Oh, c'est pire! Lucas, j'ai trouvé! Parfait, remporte-le! Ça commence! Ce bruit! J'aime pas ce bruit! Ah! Oh, tiens bon! Allez, on va réveiller ce phénix. Doucement, arrête de trembler. Pas le moment de gaspiller. Reviens! Légère altération de la couleur. Bien, mais pas assez. T'avais dit que tu devais retrancher. Alors pourquoi tu rajoutes des choses dedans? Il faut ajouter pour retrancher. Le bras zéro, Amicia! Tu dois m'ouvrir un passage jusqu'aux alambics! Eh bien, soit, va pour les alambics. Je sais ce que je fais. Enfin, je crois. De toute façon, c'est trop tard pour reculer. Fais attention, c'est tout. Alors, d'abord, on va faire ça. Ensuite, chauffer le ventre de cuivre. Laisser circuler le fluide dans le corps. Allez, allez. Et la vérité s'écoulera de la gueule. Allez, donne-moi ton alcool le plus pur. Voilà. La porte du soleil, le flambeau du porteur. Amicia, ramène-moi. Tout de suite. Amicia! Oh non! Vous avez fait le flambeau!
J'ai réussi. Et c'est comme s'il le savait. Allez. Ne traînons pas ici. Alors, à toi l'honneur. Офигеть. Мне нечего больше добавить. Юка, ты реуси. Он а реуси. Лорентус serait fier de toi. Je suis fier de toi. En tout cas, c'est une certitude maintenant. Si l'élixir est relié au rat, ça veut dire qu'il y a un lien avec le porteur. Commençons déjà par sauver Hugo. Ils sont là. Notre apprenti alchimiste a fait des merveilles. On a l'élixir. J'ai toujours su que t'étais un bon. Merci. Venez. Allons voir Hugo. Hugo, tu dors pas? Hé, hey, on a réussi, regarde, l'élixir. C'est Lucas qui l'a fait. Tiens, vas-y. C'est peut-être un peu amer. C'est pas grave. Bois tout d'un seul coup. C'est bien. Et je vais être guérie maintenant? Eh ben... En tout cas, tu vas aller beaucoup mieux. Amicia? Maman, on la verra vraiment plus jamais. Oh, Hugo. Tu sais bien, elle... Elle reviendra pas. Non. Mais elle a pas mal là où elle est. Non, non, bien sûr que non. On va tous dormir maintenant, hein. Et demain, quand tu te réveilleras, ça ira beaucoup mieux, tu verras. Глава 13, друзья. Епитимия. Амисия! Амисия, тu vas pas le croire! Rodrigue a battu Arthur à la fronde. Mais n'importe quoi, il était devant la ligne. T'es juste mauvais. Oh, qu'est-ce que vous avez encore? Ah oui, si vous respectez pas les règles, forcément. Oh, les règles! Hugo, c'est toi qui dis ça. J'arrête pas de lui vous dire. Vous avez vu, Hugo? Hugo! Hey! Hugo! Où, gamin? Hugo! Hugo! Oh non. Il est parti. Réponds-moi! Hugo!
о продолжении в следующей серии. Спасибо за просмотр. Спасибо за комментарии, за лайки, которые вы наверняка же оставите, да? Всех обнял. До новых встреч.